L'incendie qui ravage la région de Marbella a été contenu, mais les flammes ont laissé derrière elles un paysage de désolation. Le feu s'était déclaré jeudi soir dans les hauteurs surplombant la Costa del Sol, mais le vent est finalement tombé, le taux d'humidité dans l'air a augmenté, c'est ce qui a permis aux 400 pompiers déployés dans la nuit de vendredi à samedi de maîtriser l'avancée des flammes. 16 avions et hélicoptères sont aussi venus prêter main-forte samedi matin. Les 4000 habitants des villages alentours évacués vendredi peuvent désormais rentrer chez eux, même s'ils ne sont pas certains de retrouver leur toit. Une centaine de maisons sont parties en fumée. Un retraité britannique a perdu la vie. On ne connaît pas encore la superficie dévastée. L'Espagne a subi de très nombreux incendies cet été, après l'hiver le plus sec depuis 70 ans.